Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce petit album. Alors, c'est un album qui peut contenir environ 20 photos. On peut en mettre un peu plus si, parce que vous avez quand même pas mal de petites pochettes. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez deux cascades ici interactives qui sont très faciles à faire. Alors, c'est un petit album qui est facile à faire et très rapide. Pour faire ce petit album, je me suis servi de papier cardstock de 160 grammes. Pour la collection de papier, c'est une collection digitale. Je vous mets le lien en barre d'information. Il faut savoir que cette collection digitale est en papier 15-15. Alors, c'est du papier que j'ai redimensionné en 21-21. Je ne vais pas utiliser exactement la même collection de papier pour le tuto que je vais vous faire. C'est dans la même collection, mais ce sera des roses au lieu des tulipes. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'information. Alors, pour tout ce qui est déco, hein, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, forcément, la déco, c'est vous qui la faites, c'est vous qui choisissez votre papier. Je vous mets les liens à titre indicatif parce que je sais qu'on va me le demander, mais en aucun cas, je ne vous conseille un papier de déco. Là, la déco, c'est à vous de décider. Alors, pour démarrer ce tuto, vous allez avoir besoin de papier cartonné. Donc, je vous ai mis une petite description avec le matériel. Pour démarrer, vous allez prendre ici vos deux pièces de 23 cm sur 21 cm. Il vous faut aussi votre pièce de 11 cm sur 21 cm et votre bande de 21 cm sur 5 cm. Vous allez prendre ici vos deux pièces, les deux plus grandes pièces, et vous allez faire des lignes de pliure. La première ligne de pliure, vous allez la faire à 11 cm et la deuxième à 12 cm. Alors, 11 cm et 12 cm. Vous faites ceci sur vos deux pièces. Sur la pièce ici, de 21 cm sur 11 cm. Alors, vous le disposez, voilà, dans le sens de la hauteur. Vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm et une deuxième ligne de pliure à 3 cm. Sur la petite bande ici, vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm et à 3,5 cm. Vous marquez ici toutes vos lignes de pliure. Vous allez prendre ici ces deux parties. Donc, vous avez, alors je vais récupérer ma raie qui est collée avec les aimants. Vous avez ici les 23 cm et la hauteur fait 21 cm. Vous allez disposer vos deux pièces comme ceci. Vous prenez ici votre bande et vous allez la coller comme ceci. Voilà pour cette partie. Vous allez reprendre ici votre pièce de 11 cm sur 21 cm.
Donc vous avez fait une ligne de pliure à 1 cm et une deuxième de pliure à 3 cm sur cette partie-ci. Sur le haut ici, vous allez faire un repère à 2 cm. Et sur le bas, vous faites la même chose, vous faites un repère à 2 cm. Vous allez faire un repère ici, au milieu. Et vous allez tracer de votre repère jusqu'au repère ici que vous avez fait à 2 cm. Donc vous tracez ici et vous tracez ici. Ensuite, vous coupez. Vous reprenez votre base qui doit se plier comme ceci sur ce côté ici. Vous allez mettre de la colle sur la pâte de collage ici de 1 cm. Et vous allez le coller ici. Alors vous voyez, vous avez votre espace ici de 1 cm. Vous allez venir coller votre bande ici en dessous. Comme ceci. Et ça va se fermer. Voilà, comme ceci. Voilà pour le montage de la structure. Alors, à ce stade-là, vous pouvez retourner ici votre structure et vous pouvez mettre votre papier déco. Je mets mon papier déco sur cette partie-ci. Avant de terminer ici ma déco, je vais retourner mon album ici comme ceci et je vais venir installer des aimants. Alors j'ai acheté des nouveaux aimants, je vais tester parce que j'étais pas trop contente de mes aimants, donc j'ai acheté sur Amazon. Alors ce sont des aimants autocollants et apparemment j'ai fait un petit essai, ils sont super puissants, j'en suis vraiment très contente. Donc je vais positionner ici. Alors vous voyez, je mets les deux aimants, ils sont autocollants. Donc je vais le positionner ici. Ensuite, j'enlève ici le petit autocollant et je vais fermer. Alors, je vais bien mettre droit. Et je vais refermer mon sac. Alors, il ne faut pas que ça colle avant que j'ai bien placé ici. Voilà, j'appuie. Voilà, et mon aimant est placé. Alors, ils sont super puissants. Je vous mettrai le lien en barre d'information pour ces petits aimants. Ensuite, je vais terminer ma déco.
Je ne mets pas de déco sur cette partie-ci pour le moment parce qu'elle va être à l'intérieur. Donc ensuite, je ferme. Alors voilà pour la déco du sac. Ensuite, je vais terminer la déco de cette partie. Pour les deux pages de devant ici, ça va être très simple. J'ai confectionné deux tags comme ceci. Alors je me suis servi de die de chez Action. Alors c'est ce modèle-ci, voilà, c'est die pour faire ici ces tags. Vous allez confectionner aussi deux petites pochettes, donc vous prenez vos deux pièces ici de 13 cm sur 5 cm. Vous allez faire des lignes de pliure sur trois côtés à 1 cm du bord. Donc sur trois côtés, vous faites une ligne de pliure ici pour faire des rabats. Ensuite, vous allez couper dans les angles. Pour former ici deux petites pochettes. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez mesurer alors sur vos deux pages ici devant, vous mesurez 4 cm. Vous faites un repère, alors plusieurs repères hein, pour pouvoir vous repérer. Vous faites la même chose ici de l'autre côté, vous faites des repères à 4 cm. Les petites pochettes, vous allez venir les coller au niveau des repères que vous venez de tracer. Alors voilà pour les deux petites pochettes, hein, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire sur ces deux pages. Après, ce n'est que de la déco. Ensuite, vous pourrez positionner alors soit des tags, soit des cartes, c'est comme vous voulez. Voilà pour les deux premières pages. Vous allez ouvrir sur les deux pages ici des extrémités. Nous allons faire des cascades interactives.
voilà ce que nous allons faire, ce qui va venir se coller ici aux deux extrémités. Pour faire cette cascade, vous allez avoir besoin ici de papier cardstock. Alors, une bande de 24 cm sur 7 cm, une autre de 27 cm sur 7 cm. 4 pièces ici de 9,5 cm sur 13,5 cm et une petite bande de 15,5 cm sur 2,5 cm. Sur la bande ici de 27 cm sur 7 cm, vous allez faire des lignes de pliure. La première ligne de pliure, vous allez la faire à 1,5 cm. Ensuite, à 3 cm, à 4,5 cm, à 6 cm et à 7,5 cm. Alors, si vous voulez préparer vos deux bandes, de fait que vous avez deux cascades, vous pouvez marquer ici vos deux bandes. Sur ici, la bande de 24 cm sur 7 cm. Vous allez aussi faire une ligne de pliure. D'un côté, vous faites à 1,5 cm. De l'autre côté, vous allez faire aussi une ligne de pliure à 1,5 cm. Vous allez décaler et vous allez refaire une ligne de pliure à 2 mm. Donc moi, je me sers ici de ma planche et vous faites une autre ligne de pliure à 2 mm. Sur la petite bande ici, vous allez faire une première ligne de pliure à 5 cm. Et pareil, 5 cm, vous allez de nouveau décaler et vous allez faire une ligne de pliure à 2 mm. Pour avoir un petit espace ici de 2 mm. Alors ça, vous le faites sur la largeur des 5 cm. De l'autre côté, vous faites une ligne de pliure à 3,5 cm. Et pareil, vous redécalez et vous refaites une ligne de pliure à 2 mm. Voilà pour les lignes de pliure. Vous allez reprendre votre bande ici de 27 cm sur 7 cm. Vous allez marquer tous les plis. Vous prenez vos 4 cartes et nous allons les coller sur la bande. Vous pliez ici 1,5 cm et vous allez mettre de la colle sur les 1,5 cm suivants. Donc vous mettez votre colle et vous allez coller ici votre carte comme ceci. Alors vous la centrez. Alors vous mesurez hein, si vous n'êtes pas sûr de vous. Alors l'important c'est que la première carte soit vraiment bien droite parce que les autres forcément vont être alignées sur celle-ci. Donc si elle part de travers, tout le reste va partir de travers. Alors vous collez bien votre carte, vous allez retourner et marquer votre pli ici. Ensuite vous remettez de la colle sur les 1,5 cm. Vous reprenez de carte et vous l'alignez sur la carte précédente. Alors vous pouvez retourner ici votre carte et vous voyez, vous alignez avant que votre colle soit complètement sèche pour que ce soit bien droit. Alors ensuite vous retournez et vous repliez. Vous remettez votre colle sur les 1,5 cm et vous allez recoller
une autre carte. Voilà pour vos cartes. Une fois que vous avez collé toutes vos cartes, vous allez prendre ici le morceau qu'il vous reste et vous allez le replier ici à ras de votre carte. Vous allez prendre ensuite votre papier déco. Alors, votre papier déco qui doit être un peu plus petit ici que votre que la base. Alors, je vais vous faire voir. Moi, j'enlève environ 4 mm, alors 2 mm d'un côté et 2 mm de l'autre côté. La même chose en haut et la même chose en bas pour pouvoir avoir ici un petit espace noir tout autour. Vous allez prendre votre bande de 24 cm sur 7 cm où vous avez fait vos lignes de pliure. Et votre petite bande ici de 15,5 cm sur 2,5 cm. Cette petite bande ici va venir se mettre autour de la bande. Alors vous la positionnez comme ceci autour et vous allez coller voilà, comme ceci. Alors vous collez seulement sur la bande hein, parce que ça doit coulisser. Donc vous fermez simplement ici votre petite bande. Ensuite, vous vérifiez si elle coulisse bien. Alors si jamais ça accroche, vous pouvez desserrer ici un petit peu. Il faut vraiment que ça coulisse, voyez, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur les deux extrémités au niveau des pattes de collage. Vous allez coller, alors vous centrez, voilà, de façon à ce que ce soit bien droit, et vous collez. Alors c'est normal si vous avez un petit décalage ici de chaque côté parce qu'il faut savoir que vous collez sur votre papier déco qui est un peu petit, un peu plus petit que votre page ici de base. Puisqu'ensuite nous allons venir coller ici. Voilà, comme ceci. Lorsque vous avez terminé de coller, vous allez reprendre votre cascade, vous allez mettre de la colle ici au niveau des 1,5 cm. Et vous allez venir la coller ici sur le haut. Ensuite, vous pouvez mettre votre papier déco. Vous allez ensuite rabattre ici votre cascade. Alors, vous pouvez la maintenir fermée comme ceci. Vous allez mettre de la colle ici sur votre bande.
Et le bord ici doit arriver au bord ici de votre bande. Donc vous allez décaler comme ceci et ça doit arriver ici bord à bord. Et vous collez. Une fois que vous avez collé, vous pouvez ouvrir ici. Vous allez soulever vos cartes. Vous allez mettre de la colle sur cette partie-ci. Vous rabattez pour que votre dernière carte soit collée ici. Alors, avant de mettre le papier déco, forcément, nous allons installer ici des aimants. Alors, je reprends mes petits aimants. Je vais enlever le papier ici autocollant. Je positionne mon aimant. J'enlève mon petit autocollant ici et je rabats. Voilà. Alors, on va faire fonctionner ici notre cascade. Voilà. C'est impeccable. Ensuite, vous pouvez terminer la déco ici de la cascade avant de la coller sur votre base. Voilà pour la cascade. Alors forcément, vous en faites deux comme ceci qui sont complètement identiques et nous allons coller ici de chaque côté, voilà, de notre album. Une fois les deux cascades collées, alors j'ai terminé aussi un petit peu la déco en mettant des bancs ici dans les espaces. Nous allons faire ce côté-ci. Pour ceci, vous allez avoir besoin de votre pièce de 11 cm sur 17 cm et votre petite bande de 13 cm sur 6 cm. Sur la petite bande, vous allez faire des lignes de pliure à 1 cm du bord sur trois côtés pour faire une petite pochette. Sur la pièce de 11 cm sur 17 cm, vous allez faire une ligne de pliure ici sur le haut de 1 cm. Vous mettez ensuite de la colle ici sur la pâte de collage de 1 cm. Oups. Et vous allez la coller ici sur le haut. Ensuite, vous allez couper ici les deux coins. Vous repliez. La petite pochette va venir se positionner ici. Ensuite, j'avais demandé aussi de couper une pièce de 20 cm sur 14 cm. C'était pour faire un petit livret comme ceci, que nous allons insérer dans la petite pochette. Alors pour ce côté, c'est terminé. Vous voyez, c'est tout simple. Il suffit simplement maintenant de faire la déco.
Pour la déco, je vais mettre ici un support photo. Et ensuite, sur le reste, je mettrai du papier déco. Voilà pour ce côté. Alors notre album est presque terminé. Il doit vous rester trois pièces. Alors une de 12 cm sur 16 cm, une autre de 11 cm sur 14 cm et un petit morceau de 4 cm sur 6,5 cm. Vous allez prendre ces deux pièces. Vous allez faire une ligne de pliure à partir du bord à 1 cm. Alors vous faites ceci sur les deux pièces dans le sens de la hauteur. Vous prenez la plus grande pièce et vous allez coller ici la plus petite, voilà, sur la grande pièce. Alors forcément du côté ici de la pâte de collage. Alors vous centrez et vous collez. Vous reprenez votre album et vous allez venir coller ces deux pièces ici, comme ceci. Voilà, vous ouvrez, vous allez prendre la plus petite pièce ici, vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm du bord. Alors, je vais arrondir ici un petit peu les angles. Alors, ça, c'est une petite patte ici pour fermer nos deux pièces. Donc, ça va venir se coller comme ceci. Alors vous allez mettre de la colle ici sur la pâte de collage. Vous allez venir coller ici comme ceci. Alors vous centrez, voilà, sur vos cartes. Et vous collez. Alors, il va falloir remettre deux petits aimants. Voilà. Alors voilà pour le montage du papier cartonné, c'est terminé. Il ne reste plus, voilà, qu'à terminer la déco.
notre album est terminé. Alors, vous avez vos deux cascades ici interactives qui peuvent contenir des photos 9-13. Ici, un petit livret où vous avez de nouveau des photos 9-13. Ici, vous pouvez mettre une photo en 10-15. Vous avez encore une photo 10-15, une autre que vous pouvez mettre ici. Vous avez une photo ici 9-13, 10-15 et encore 10-15 ici. Donc vous voyez, vous pouvez quand même mettre pas mal de photos. Vous refermez, vous avez vos deux tags qui sont quand même assez grands, hein, puisque je ne les ai pas mesurés, mais je vais vous dire la mesure des tags qui font quand même 9 cm sur 13,5 cm. Donc vous voyez, même une photo 9-13 rentre très facilement. Alors après, vous pouvez mettre autre chose hein, si vous n'avez pas le die pour faire ces tags. Donc on referme. Ensuite, pour terminer la déco sur l'autre album, j'avais mis un petit nœud. Alors là, j'ai préparé aussi un petit nœud pour finir l'album, mais vous pouvez très bien aussi mettre une étiquette. C'est aussi très joli. Voilà, alors il ne me reste plus qu'à coller mon petit nœud. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vais vous souhaiter une super journée. Alors surtout, n'oubliez pas de lire la description en dessous de la vidéo parce que je vais vous mettre les renseignements et les liens lorsque vous posez des questions. Vous pouvez trouver tous les renseignements en barre d'informations. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.